Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro au Sud. Aujourd'hui, je vous emmène dans les Hautes-Pyrénées, à Saint-Lary-Soulan. C'est un petit village de 1000 habitants que j'adore et qui fête cette année ses 60 ans. Il est niché au cœur de la Vallée d'Or, à seulement 2 heures de route de Toulouse, et on y trouve aujourd'hui les plus grandes stations de sport d'hiver des Pyrénées. Bonjour. Dans cette émission, je vais aller à la rencontre de celles et ceux qui vivent juste au-dessus de chez vous, dans les hauts sommets occitans. Nathan Biriane, 22 ans, jeune prodige du snowboard et du freeride. Son terrain de jeu est ici, à Saint-Lary. J'irai aussi passer une soirée incroyable dans un refuge caché tout au fond de la forêt et des montagnes. Et évidemment, comment ne pas évoquer en plein marché matinal les richesses gastronomiques des Hautes-Pyrénées? Le fameux porc noir de Bigorre. Il vient d'ici. J'en ai déjà goûté à Tarbes, j'en garde un souvenir délicieux, mais cette fois, on va aller encore plus loin. Lionel Darnay est agriculteur et il va nous expliquer les spécificités de cet élevage hors du commun. Il me semble que le mot. Pour commencer, je vais vous présenter la reine des Pyrénées, Isabelle Mire, une enfant du pays. Son nom vous dit forcément quelque chose, car c'est une ancienne vice-championne olympique et elle me fait l'honneur et le bonheur de m'accueillir dans son bastion. Ici, c'est sa montagne. C'est parti pour de nouvelles aventures au sud. Bonjour Isabelle. Bonjour. Comment ça va? J'ai l'impression de voir arriver un petit isard de la montagne. Je me suis couvert comme j'ai pu. Merci de m'accueillir dans ton fief. Finalement, ouais. Il n'y avait personne d'autre que toi qui pouvait aussi bien m'accueillir ici. Ça, c'est le compliment, je l'accepte. Donc toi, tu es née plutôt là-bas, dans un hôtel qui n'existe plus. Qui n'existe plus. Bon, il y a maintenant un petit immeuble qui a été construit, mais je suis née ici et mes pieds, mes racines sont ici. Voilà. Et aujourd'hui, il y a encore toute ta famille. Et aujourd'hui, j'ai toute ma famille. Oui, ton cousin est maire d'ailleurs. Et mon cousin est maire. Après ton père, qu'il a été pendant plus de 50 ans. Plus de 50 ans. En fait, l'histoire, elle démarre comment? Mon père a entendu parler qu'il va y avoir un grand projet pour construire un barrage. Et le hasard a fait que les ingénieurs qui construisaient ce barrage sont arrivés dans Saint-Lary, mon père était au bord de la route en train de lire le journal, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Et la voiture s'est arrêtée, et un monsieur qui était l'ingénieur en chef lui demande, on cherche des terrains pour installer un village d'ouvriers pour construire le barrage là-haut. Il faut penser qu'il y avait plus de 1000 ouvriers pour construire ce barrage. Donc mon père dit, écoutez, je peux aussi vous proposer des terrains ici, c'est à plat, Saint-Lary. En fait, l'affaire s'est faite. Et pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas, il y a des belles montagnes, un téléphérique. Donc ils sont partis inspecter toutes ces montagnes autour de Saint-Lary. Il y avait un potentiel. Mon père a pris sa voiture, il est parti dans les Alpes. Ça a démarré comme ça. Sur un coup de folie, finalement. Sur un coup de folie. Un coup de folie. Un Père Noël, papa, apporte-moi un téléphérique. En 1957, Saint-Lary connaît un essor incroyable avec l'arrivée du premier téléphérique. Ce petit village de montagne se transforme alors en une station de ski, grâce au papa d'Isabelle, mais pas seulement. C'est là, bonjour madame. Regarde. Enchantée. Bonjour. Voilà ma maman, 95 ans. On m'a dit que vous faisiez vos courses toute seule encore et que vous faisiez des randonnées. Voilà, exactement. Ma maman, mon papa a réussi à faire tout ce qu'il a fait grâce à ma maman. Ma maman c'est tenait toujours les... grâce à une femme en toujours. Même temps. Ma maman tenait les comptes, ma maman tenait les humeurs, hautes et basses. Et elle remontait toujours le moral. Je n'ai pas à en tirer aucune vanité, je n'y suis pour rien. Et vous n'avez jamais voulu quitter Saint-Lary? Je n'en partirai pas. Ça reste le fief de la famille Mire. C'est ma vie. Merci beaucoup madame. J'étais ravie de faire votre connaissance. Merci. Entrez. Alors, là, on est dans la maison du patrimoine. Et pour les 60 ans de Saint-Lary,
le village a décidé de te faire un petit hommage. Exactement, et puis de rappeler un petit peu l'histoire de Saint-Lary, voilà, avec quelques photos. Là, c'est une de tes médailles, par exemple. Alors, là, c'est une de mes médailles. Mais il y en a c'est... beaucoup plus que une, hein, oui, normalement. Mais c'est gardé par ma chère mère, voilà. Oui. Et surtout, c'est ce qui est important, c'est le pull. Le pull qu'on portait, voilà, de l'équipe de France. La classe, le pull frappé du coq. Le pull frappé du coq, exactement. C'est des pulls magnifiques qui sont bien denses et qui nous tenaient chaud parce qu'on avait quand même des équipements qui n'étaient pas les équipements d'aujourd'hui. Et puis si vous voulez voir avec quoi on skiait, parce que ça quand même, aïe, il faut le... Regardez, ça pèse une tonne. C'est... Oh, c'était bah des attends, chaussures. Tu ne veux pas skier avec ça? Mais évidemment qu'on skie avec ça. Et en plus, on était champion olympique. Avec les chaussures qui pèsent combien, là? Il y a quoi? Ah, je ne sais pas, mais on avait surtout très, très mal aux pieds. Il y a 3 bons kilos, c'était là. C'était un supplice de mettre ça, et le soir, un bonheur de les enlever. Voilà. Et c'est avec ça que tu as remporté des médailles? Ouais, ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait de porter les couleurs de la France? Ah, ben ça, c'est, d'abord, c'est un rêve. En fait, ce qui était intéressant pour moi, comme pour nous tous, hein, c'est la compétition. Et ton palmarès, il est énorme. J'ai 2 Coupes du Monde, oui, de descente, voilà. Chose qui n'a jamais été faite. L'argent encore, aux Jeux Olympiques. Alors, l'argent des Jeux Olympiques, on peut en parler. Tiens, je vais faire une confidence. Je ne l'ai jamais faite. Avec 50 ans de recul. Hein, c'était il y a 50 ans que tu as remporté cette médaille d'argent. Lorsqu'on voit les photos de Saint-Lary avec l'accueil et de toute la vallée, de tout le monde, c'était exceptionnel. C'était des milliers, des milliers, des milliers de personnes qui m'ont accueilli. Mais 50 ans après, qu'est-ce que je me dis? Est-ce que c'était le plus beau jour de ma vie? Bien sûr que c'était un beau jour, mais en fait, c'était le plus triste. Parce que ce n'était que la médaille d'argent. Je vais rejoindre Isabelle qui m'attend déjà là-haut. Et en fait, je me rends compte que j'ai beaucoup de chance parce que je vais pouvoir descendre les pistes avec une légende. Isabelle, pour commencer, il faut que je t'avoue qu'on n'a pas exactement le même palmarès. J'ai eu mon flocon et ma première étoile à 12 ans, que j'ai durement gagné. Donc sois indulgente. Quelle que soit la médaille, elle est toujours dure à gagner. Donc vas-y, tu chausses et on va faire quelques petites initiations. On racle bien son pied sur la fixation. D'accord. Avec un peu plus d'énergie, s'il te plaît. Ça, c'est mou. La prof ressort. Voilà. J'aime faire gronder. Et on claque. Là, on nettoie toujours sa chaussure. En vérité, je fais pas la maligne. Allez. Alors, déjà, je vais te raconter juste une petite anecdote. Vas-y. Ici, sur ce plateau, mes premiers pas de ski avec tous mes copains de l'école de Saint-Lary, donc ça a été mes premières leçons de ski, c'était les CRS de Lannemezan, les merveilleux secouristes en montagne, qui étaient à notre disposition. Et alors, la première leçon, toute ma vie, je m'en souviendrai, c'était le pas alternatif. Est-ce que vous savez ce que c'est que le pas alternatif? Ben non, je vais te montrer ce que c'est. Je me suis tellement ennuyée. Je disais, mais c'est ça le ski, ça va passer vite. Mais si on ne sait pas faire le pas alternatif, on ne sait pas avancer avec les skis. Donc, le pas alternatif. Voilà, on pousse avec le bâton alternativement. Voilà. Mais tu vois, moi, c'est pour tourner que j'ai un peu de mal. Je te regarde. Super, regarde. Magnifique. Mais c'est vrai que c'est mieux quand je te regarde et que je regarde pas mes pieds. Bah, évidemment. Ouais, c'est génial. Impeccable. Ok, donc bien plié, hein, comme tu m'as dit. Voilà. Et maintenant, place à un repos bien mérité, au refuge de Loul, à 1800 mètres d'altitude. On y accède uniquement par le télésiège. Donc là, on arrive au refuge et... on va casser la croûte. J'attendais avec impatience. Voilà. Nous sommes aux portes de la réserve naturelle du Néouviel. Ah, ils sont incroyables, ces arbres. Ici, c'est la forêt la plus haute d'Europe.
Il semblerait que ce soit la plus haute d'Europe. Et donc, c'est rempli de ces arbres merveilleux, puisqu'on en trouve qui ont plus de 1000 ans. C'est incroyable de l'avoir préservé comme ça. Oui, mais grâce au parc national. Quelquefois, ces arbres poussent dans les rochers. Il y a juste comme des bonsaïs. Et même lorsqu'ils sont morts, ils n'ont plus d'aiguilles, ils peuvent mettre jusqu'à 50, 100 ans avant de tomber. Parce qu'ils ont poussé lentement et le bois, c'est presque du caillou. Et toi, c'est ce qui te fait du bien de revenir dans ces endroits isolés où tu es coupé de tout? C'est plus que ça fait du bien, c'est nécessaire. Et puis c'est important que ça existe. Et ce sont des endroits, c'est des joyaux. Et puis c'est chez moi, quoi, voilà. C'est suffisant hein, comme raison. Exactement. Voilà, alors ça c'est le fameux port de Bigorre. C'est quand même tout un art parce qu'il faut essayer de couper la tranche le plus fin possible. C'est un jambon qui est heureusement aujourd'hui labellisé et qui est une merveille. Alors le port noir de Bigorre, j'en avais déjà goûté à Tarbes. Je m'en lasse absolument pas. Mais cette fois, je vous propose d'aller rendre visite à un éleveur. Il s'appelle Lionel, il habite dans la vallée, à quelques kilomètres d'ici, et il élève 180 porcs noirs de Bigorre. On se retrouve après, mais je suis pas sûre qu'il reste du jambon. Ça, c'est la balade quotidienne que l'on fait pratiquement au moins une fois par jour. Là, on est sur un petit parcours où il y a 14 porcs noirs. Allez. Un petit peu de céréales. Allez, venez, venez les petits. Cochon. Viens. 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 C'est l'apport quotidien de céréales qui sont issues de la ferme. C'est 3 kg par jour maximum et le plus qu'ils mangent, c'est quand même de l'herbe et forcément les glands et les châtaignes à la saison. Oui ça mes petits, oui ça mes petits, oui ça. Mais le porc noir de Bigorre a bien failli disparaître dans les années 80. Il n'était pas assez rentable pour l'industrie agroalimentaire. C'est finalement un groupe d'agriculteurs passionnés qui a réussi à relancer l'élevage de ce cochon rustique en plein air. Alors c'est un porc qui a une croissance très lente, ça allait de 450 grammes par jour comparé à un porc blanc qui se situe autour de 800-850 grammes élevé en quelques mois. Nous, c'est minimum 12 mois. Là, tout est la différence. Donc là, on va aller voir les truies à la maternité. Bon, ils ont 3 semaines, ceux-là, donc ils sont déjà un peu grands. Et ensuite, ils vont rester avec leur maman 35 jours. Donc, en principe, elles se débrouillent pratiquement toutes seules, mais quand même, du moment où ils sont nés, il faut venir voir si tout le monde tète, si chacun, en principe, une mois qui commence à téter, c'est le meilleur lait, le premier lait, c'est le meilleur. Donc on a tout intérêt à ce que tout le monde tète comme il faut. Et une fois qu'ils ont pris une tétine, c'est la leur jusqu'à la fin. Ça, c'est le lit pour ce soir. Là, on n'est vraiment pas sur des caillebotis, on est sur des aires paillées, qu'on paille tous les jours. Et mais pour la... Pour le bien-être de l'animal, c'est quand même 100 fois mieux. Ah, vu qu'il y a un petit peu de courant d'air, on va les chouchouter. Voilà, comme ça, ils sont protégés du vent. Histoire de les chouchouter un peu. Cet après-midi, il faudra aller voir les saucissons. Puis après, il faut les livrer à Nathalie. Ouais. Confit de porc noir à l'ancienne. Garbure ou encore saucisse confite. Cet élevage de porc noir, c'est avant tout une histoire de famille.
Le savoir-faire se transmet de génération en génération. Coupe-le un peu plus fin, va pour la chiffonnade, ça va être pour midi, ça va être parfait. Il a une belle couleur. Il sent super bon. Je pense qu'on va encore se régaler. Comme ça, ça te va, ça? Parfait, impeccable. On y voit à travers. Il est translucide, c'est la chiffonnade parfaite. Alors en fait, c'est un jambon qui a une particularité, c'est qu'on dit qu'il est persillé. Le gras et le maigre se mélangent, ce qui fait sa particularité et son gras. Donc le gras, en fait, il est goûteux. C'est un jambon qui a 22 mois minimum d'affinage. Donc il faut 3 ans pour avoir ce genre de jambon, quoi. Donc c'est un peu comme un bon vin, quoi. Il faut patienter et après, ça donne un goût fabuleux, voilà. Oui, tu pourrais en refaire passer, hein. N'oubliez pas. On va laisser une après à couper. Allez, Chine. Santé, bienvenue. Santé, bienvenue. Cette fois-ci dans les yeux. Dans les yeux. On ne croise pas, s'il vous plaît. Santé, Isabelle. Santé, les randonneurs. Voilà, on est de retour au refuge de Loul. Isabelle, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce refuge? Il a été créé à quel moment exactement? Alors, ce refuge, d'abord, a été construit en même temps que la retenue d'eau qui alimente donc une centrale hydroélectrique. Et vers les années 80, il a été donc transformé en refuge qui accueille à peu près 35 personnes. Donc, bienvenue. Dont ces chanceux. Et vous êtes originaire d'où? De la région nantaise, pour ce qui me concerne. Ah, il vient de loin. Oui, on vient un peu du Gard. Ils ont été attirés par le jambon et par l'odeur du vin. Hein. Mais on partage la qualité... De la nature, de la nourriture, de... Ouais, manger, etc. Tout à fait. On aime bien manger ici, en fait. Hein. Mais c'est important de manger, c'est important parce que ça fait partie de nos racines. On aime manger, on aime boire, on aime chanter aussi et surtout être ensemble. Isabelle, merci beaucoup pour cette journée. C'était exceptionnel de faire un cours avec toi en ski. Merci à vous pour cette soirée aussi, c'était très sympa. Et je crois que tu m'as réservé une dernière surprise, Isabelle. Ouais, donc qui dit surprise dit psst, on ferme la bouche. Voilà, bonjour! Merci de venir nous chercher! Allez hop! Voilà la surprise! Génial! Après cette belle journée avec Isabelle Mir, je m'apprête à retrouver une graine de champion. Pas en ski, mais en snow. C'est Nathan Birian. Il a 22 ans, c'est un jeune prodige. Et chaque année, on le retrouve lors des Pyrénées Circus, la seule étape pyrénéenne des World Snowboard Tour. Et en fait, chaque année, on retrouve tous les freeriders les plus talentueux de la planète ici, à Saint-Lary. Nathan, il est quasiment né sur une planche de snow. Il a commencé à 3 ans alors qu'il savait à peine marcher. Il a toujours appris ici à Saint-Lary. Et aujourd'hui, après 22 ans, il est champion des Pyrénées. Il a même remporté une Coupe d'Europe il y a 3 ans. A priori, ça va être le prof idéal. Waouh, je suis pas sûre d'arriver à faire ça aujourd'hui. Comment ça va, Nathan? Ça va et toi? Oui. Alors quand je vois ce que tu fais, bon, j'ai un peu la pression. Oh non, faut pas. C'est cool. J'en ai jamais fait. Hein. Ça vient tout seul, c'est facile. Ouais. Comme le vélo. On va voir ça, si ça vient tout seul. Je pense que c'est la chute qui va aller toute seule. Non, si t'es relâché, tu prends pas la tête. Normalement, il n'y a pas de souci à se faire. Donc règle numéro 1, relâcher. Être relâché. Ok. Un peu fléchi sur ses jambes, relâcher les chevilles, regarder loin. Attitude basse et... Ok, bah je suis motivée, on y va? Allez, on y va. Alors là, tu vois,
c'est au moment de se lever qu'on a un peu la pression. Déjà, c'est toute une histoire pour se lever. Ça, c'est le plus dur. Le pire, c'est une fois que t'es debout, c'est l'équilibre. Je suis pas hyper rassurée. Bon alors, tiens-moi la main. Me lâche pas. Non, non. Viens planter ta tête. Attends, non, on y va pas, on y va pas. Attends. Je suis pas prête. Je sais pas du tout quoi faire. Voilà. On va partir là, dans l'axe. Tu vas venir. Ah, doucement. Dans l'axe. N'aie pas peur. Hop, dans l'axe. Là, tu sens que je suis quand même un peu tendue. Voilà. Essaye de descendre. Moi, s'il avait dit relâcher. Descends un peu sur tes jambes. Relâcher. Viens bien droit. Tu regardes devant. Fléchis, hop, tu regardes loin devant, tu fléchis, tu viens t'arrêter. Hop. Eh, c'est pas mal. Merci beaucoup Nathan pour tous ces conseils. Franchement, j'ai adoré. C'était avec plaisir. C'est gentil, mais j'ai encore quelques progrès à faire. Je sais que t'as mis ta carrière entre parenthèses pour te consacrer à une autre de tes passions. Évidemment, c'est toujours en snow, mais cette fois, Nathan est muni d'un appareil photo et d'un drone, et on l'a suivi lors d'une de ses expéditions avec son père. Dès le matin, hyper tôt. Bon, déjà, t'arrives sur la station, il n'y a personne. Il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup de bruit. La station est pas tracée, c'est tout vierge. Et nous, on a juste à se placer à un bon endroit, avec un bon angle et une belle vue sur la station. Et là, hop, il y a juste à shooter. Ça prend pas long, hein, vu qu'on connaît la station comme notre poche. Et on sait où c'est qu'on va pouvoir faire les photos. Et juste à sortir l'appareil, se caler, bah, ça déroule et on fait des photos et c'est cool. On va essayer de passer là, ouais, entre les deux mamelons, là, un peu. Comme ça, on est un peu en sécu et on a une bonne visée sur la fin du Rhin. Ouais, allez. Ce que j'essaye de transcrire quand je fais des images et que je fais du drone, c'est vraiment cette sensation de liberté, de faire des virages, ça vole dans tous les sens. Et c'est vraiment ça qui est compliqué à réussir à transcrire à tout le monde, à faire partager. Et c'est pour ça que j'aime bien la photo et les drones et tout ça, c'est qu'il y a tellement moyen de faire des choses incroyables, des points de vue magnifiques et tout, que ouais, j'arrive pas trop à expliquer ça, donc j'essaye de l'expliquer à travers des photos. T'es sur le chemin là ou quoi? Ouais. Écoute, t'as qu'à venir sous les barres, te mettre dans l'axe, et je veux que tu viennes appuyer et qu'on voit ta tête. Tu vois, que ça fasse pas un nuage blanc, je veux qu'on puisse voir ta tenue, voir ta tête, quoi, que tu sois pas dans un nuage. Ce qui serait bien, ce serait d'avoir un petit premier plan. J'ai repris un petit peu les réseaux sociaux de Saint-Lary, de l'Office du Tourisme. Avant moi, il n'y avait personne qui utilisait de drone justement pour l'image à Saint-Lary. Donc je me suis dit que c'était une belle opportunité pour moi et surtout pour Saint-Lary aussi de partir là-dessus. Et puis ils m'ont laissé un peu carte blanche pour ça. Et du coup, je me régale à faire plein d'images du domaine et de tout ça. Et c'est vraiment quelque chose de cool à faire. Ouais. Et voilà, l'émission touche à sa fin. Cette escapade à Saint-Lary aura été une vraie bouffée d'oxygène. Merci Nathan pour cette initiation. De rien. Je te souhaite plein de beaux projets artistiques. Merci. Je suis sûre que ça va marcher pour toi. Merci aussi à Isabelle Mire qui a été une guide formidable. Merci à tous les intervenants. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes au sud. Salut! Au revoir!